Salut à tous, c'est Catel et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos hein, qui va constituer un guide des trophées sur Dark Souls 3, The Firefight Edition, mais on n'inclura pas les DLC, en tout cas pas dans un premier temps, puisque les trophées ne contiennent. Les DLC ne contiennent pas de trophées tout simplement. On va tâcher de faire une ligne conductrice étape par étape. Hein, pour ce faire, je vais vous donner le plus d'indications possible. On va faire une vidéo par zone. On va essayer de concire ça un maximum pour que vous soyez pas trop perdus. Vu qu'on m'a demandé de reprendre avec un perso tout neuf, ça ne pose pas réellement de problème en soi, si ce n'est que justement, on va se farcir trois runs. Hein, donc un NG, un NG+, et un NG++. Vous avez un total de 43 trophées, hein, 18 trophées qui correspondent aux 18 boss du jeu, les serments et des trophées un peu plus récurrents comme par exemple les maîtrises de sorcellerie, de pyromancie, de miracles, les anneaux et les expressions qui vont demander beaucoup plus de travail que tous les autres. Alors, on va pas trop traîner non plus, hein. On va se lancer gentiment, c'était une petite introduction. Donc sur ce, on va créer un personnage. Allez, Léonidas y dégage. Lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Ash seeketh embers.
Voilà. Pour ce guide des trophées sur Dark Souls 3, je vais vous présenter un build que j'ai l'habitude de faire, hein, qui est assez OP pour tout ce qui est PVE, puis pour boucler le jeu de manière assez rapide. Par contre, en PVP, j'ai pas trop d'expérience, donc voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, tous les builds fonctionnent très bien, hein, que ce soit la force fois, intelligence fois, la dextérité, il y a pas mal de choses. Nous, on va partir sur un build intelligence fois, et pour ce faire, la meilleure classe à choisir... c'est le pyromancien. Voilà. Au niveau des reliques, il y a deux trucs qui sont pas mal, hein. L'âme désincarnée qui vous permet d'avoir un peu plus d'âme dès le départ du jeu, ou alors la jeune branche blanche qui pourra vous éviter un petit détour au village des morts-vivants. Mais vu que nous on va faire le tour complet de ce jeu, on va prendre l'âme désincarnée, voilà. Et puis vu que c'est un guide, on va pas s'affoler plus que ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire pour compléter cette intro? Pas grand-chose, hein, parce que de toute façon, il y a pas grand-chose de plus à dire. Le plus intéressant sera de commencer le jeu. Hein, on va commencer avec le cimetière des cendres, mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà, donc une intro un peu bordélique, hein, comme d'habitude. Vous commencez à connaître un peu la chaîne. On fait tout à l'arrache. Voilà. Il est beau notre pyro. Hein. Ça va être une sacrée aventure. Donc 3 runs, 43 trophées. On va voir ce que ça donne. Sur ce, je vous retrouve pour le cimetière des cendres dans cette prochaine vidéo. Allez, bye bye!